ne suis pas sûre que ce livre clôture une période de deuil, mais je pense qu'il va faire avancer le travail de deuil, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a une forme toujours de libération à écrire un livre. J'en ai écrit un sur ma mère, donc je sais de quoi il retourne. Maintenant, tout livre qui est sur la perte doit être un livre qui met en mouvement. Parce que si effectivement il vous laisse au même point qu'avant, c'est qu'il n'est pas réussi. C'est un livre qui est sur le cheminement, qui est sur la métamorphose. D'ailleurs, le titre lui-même est tiré des métamorphoses d'Ovid. Son éclat seul me reste. En réalité, dans les métamorphoses d'Ovid, la nymphe Daphné est poursuivie par les assiduités d'Apollon et elle demande à son père de l'aider. Et le dieu fleuve Péné décide finalement de transformer sa fille en laurier. Et il dit, son éclat seul lui reste. Et évidemment, j'aimais beaucoup le vert, mais j'aimais aussi l'idée que le laurier, ce soit une plante dont les feuilles restent vertes toute l'année. Elles ne tombent jamais. C'est comme si c'était quelque chose de l'éternel, en fait. Et donc, la métamorphose, c'est évidemment celle de moi, apprenant la nouvelle au bout du monde et devant la prendre en compte après une longue période de déni et donc devant cheminer pour partir d'un moment de déni de la mort et arriver à une acceptation de la vie en songeant que dans la vie il y a la mort aussi, mais que ça fait partie de la vie. Oui, je pense que la mort recompose ce qui a été vécu et ce que l'on peut vivre encore, ce qui a été vécu avec la personne qu'on a aimée et ce qu'on a encore envie de vivre avec à travers des souvenirs, à travers des œuvres, à travers des choses que l'on accomplit peut-être avec d'autres personnes que l'on aime. Oui, la disparition d'un père, c'est une disparition qui est toujours la disparition d'une figure tutélaire. Donc c'est quelque chose qui, dans une vie, est très intense à porter, surtout quand on a perdu sa propre mère quand on a 4 ans. Du coup, le père a beaucoup d'importance. Et donc, quand le père disparaît, et quand c'est un père avec qui on a eu des rapports qui étaient parfois des rapports compliqués, parce que la mère ayant disparu, lui s'étant remarié, il y a une autre vie qui s'est créée et on n'a pas toujours été capable l'un et l'autre de recomposer avec ces nouveaux éléments. Eh bien, une fois le père disparu, on avance d'une certaine façon avec un père idéal. On avance avec les souvenirs qu'on aimerait avoir de ce père. On peut réinventer tout d'une certaine façon. Comme quand on rêve la nuit. On fait des rêves avec les gens qu'on aime, mais on n'a pas toujours vécu ce qu'on rêve. Mais ça fait partie du processus, justement, de cheminement, je pense. D'une certaine façon, maintenant, la mémoire de mon père est liée à son assassinat. Donc, en fait, il y a cette crainte qu'on ne se souvienne de mon père que parce qu'il a été assassiné. Avec, évidemment, aux autres personnes. Et donc, dans le désir d'écrire effectivement un livre, il y a aussi le désir de dire que c'était un homme qui était vivant aussi. Voilà, donc c'était le désir de dire qu'il était un grand artiste, il était un père, il était un mari, il avait des joies, des générosités, des gestes, des intonations, Et c'est toujours douloureux de se dire qu'on ne va se remémorer que d'une certaine façon le Volinsky public qui serait le héros d'une certaine liberté de parole à la française. Et moi, je crois que je veux juste rappeler que j'ai perdu un père. Voilà, j'ai pas perdu. Je suis pas dans la commémoration et je suis pas. J'ai pas perdu une figure publique, j'ai perdu un père. Et ça, il y a peut-être que le livre qui pouvait
me permettre de le dire.